C'est pas avant. Aujourd'hui, on est le 17 du ce mois de qui termine l'année 2015, donc le décembre. Nous nous trouvons au sein de la communauté de Tata Kimbangu ici en France, plus précisément au 7 avenue Albert Einstein, la paroisse de Blomenil, dite Lomière. Vous avez suivi tout à l'heure dans le document visuel qui fait état de la culture kimbangiste, le salon du livre et la culture kimbangiste. Dans le cadre de cette activité donc, qui consiste à restaurer l'image de la première, le kimbangiste, cette nouvelle civilisation, nous avons eu l'honneur d'introduire ce salon. Les deux dernières éditions, nous étions pas sur place, nous sommes à Carmel, Jérusalem, mais la troisième édition, Dieu nous a fait grâce d'être Kimbangu Kiangani, d'être présent avant qu'on monte en repas à Carmel, Jérusalem. Donc voilà, chers amis, chers internautes, le Mediaki, le Rateliki, presque donc compris,
vous tous, disciples de cet esprit, on est à la veille de notre montée à la Nouvelle Jérusalem, donc d'ici le 31, parce que passez-moi du moment où sa divinité nous a demandé d'être, de fêter la fin d'année avec lui et d'entrer le nouvel an, le verset avec lui. Donc le 31, comme vous connaissez, le 1er janvier et le 2 janvier. Et suite après, tout de suite après, le 4, il sera la festivité des étudiants qui m'enguissent, le CEK, le 7 juin qui m'enguissent, et aussi, évidemment, ceux qui aujourd'hui qui portent cette nouvelle science, le Malombé, le 3 carrières sur notre effet était en Bazangongo, le Pape Nongopé l'été, et bien ça sera aussi notre première édition. Voilà, chers amis, nous espérons que vous aurez le plaisir de nous suivre, et une fois de plus, merci. Tout ce que nous avons fait, nous avons fait un papa qui se loquait au Nzambé de Tatarabiso, papa de Lunga Nzambé Mouana Kolo Yesu, de Gazoma à la situation de Tatango, Banda le 25 mai, Yangou Noël, le 25 mai, Yuana Padia Lunga Kangani, P. Tatamouni Moussantou, Yuana, Aël Bosso, na 1887, le 12 septembre, à Zonga, Malaïbalé, la Congo Padia Nguyen Akotima, le 18 mars, le 22 mars 1918, et puis finalement, aller na Ekiko Tuzabouye, Tata Simonimo qui a gagné cette activité, ou à Zonga Bedbanda le vendredi 12 octobre 1951. Bisso Banana Bino Awana, Nikile Wapaya, Ne Wachine Bisso Kola Ambassadeur, Bandeko Kakanabo Sangani, la Kintu Adinaye, Papa Simonimo qui a mangé à Pesa Banana Kadisinaye, pour Massala, au Italie, et Sika Batubayako Sangana, pour Batala Oyoma Komi, et Tata Kimbango, beaucoup, Kahana. Donc, Bukanda, Bukanda, Bino, Godwa et Diakongo, comme Azaï de Mandoubi, la syndicat qui est pour ce que l'on a fait. Voilà mon nom, je suis allé. Ce que l'on a attaqué, c'est que l'on a quitté la santé, alors qu'il n'y a pas de mouillé, mais il y a deux groupes de la tête. Ligomba, 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 Kikongo, Navia. On a combattu avec ce qu'il y a, qui l'on a assez, qui sera en bête en tout cas, qui n'est qu'à le 12 février 1914. On a été poussé, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un coup de l'eau dans la Kangani, on a eu un Venez voir sa divinité. On a quand même aussi les fogues. Très bien. Merci. C'est devenu quoi? Bon, c'est toujours une fabriquée de l'eau. Mais oui, mais c'était en ruine. Moi, c'est bon, on va voir que je suis resté. Ça date d'il y a 5 ans aussi. C'est normal parce que les mots maintenant, c'est les mots qui sont connus. C'est pas...
passe pas d'un moment tout. Le mot maintenance et entretien. Ah, ah, parce ah, que dans nos langues, on fait pas d'un moment tout. Hein. C'est pour faire quoi? Non, oui. Oui. Il dit que les meetings, oui. La maintenance n'est pas au point. Oui. Regarde, là, quand tu prends tout ce qui est. C'est pour ça que je lui dis que le mot maintenance et entretien, c'est pas un mot, ce ne sont pas des mots bantous. Sur le béton. Il n'y en a ni en Kikongo, ni en Lingala, ni non, en c'est parce que regarde, sur le béton, la garantie. Mais éviter, sinon il y en a. Madame, il y en a pas. Et viens, c'est bon qui hein? Viens, qui ça? Viens, qui ça? Écarte. Non. Lui. Viens, qui ça? Voilà, c'est lui. C'est faire briller. Faire briller. Il n'y en a pas. Ici, là. Va, Godi, regarde. Dis-moi, c'est Amisa. Regarde, dans la bâtisse. C'est Amisa. Non. Ça, c'est bien ça. Ça, Godi, Yoga, là, sur la bâtisse, là. Le béton a la garantie décennale. La peinture, il y a la biennale. Lui, il peut aller jusqu'à 5 ans, le revêtement de sol, les œuvres secondaires. Donc, ils savent que... Nous avons posé la question, surtout à Kikongo. Nous avons posé la question au vieux Bakongo. Ceux qui ne parlaient que en Kikongo, qui prononçaient tous les mots en Kikongo, il n'y a pas de mot maintenance ni entretien là-bas. Non, entretien. Les Africains ne connaissent pas ces mots-là. Non, mais je te entretien, dis. Entretien, maintenance. Laisse-moi plus de temps, mais entretien, on doit se trouver. Maintenance, peut-être pas. Mais bon, après, c'est pas des traductions comme ça qu'il faut faire. Mais pourquoi vous êtes toujours avec les Kikongo, les Swahili, les plus riches? Nous parlons de quatre langues, disons que de quatre langues nationales, par exemple, oui, l'Afrique centrale. Mais oui, il y a Kikongo, Chiluba, Swahili. On va commencer. Ah, c'est en Swahili. En Swahili. Peut-être, je ne sais pas, l'Afrique du Nord, bon, peut-être, non. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons vers vous ce jour 18 décembre 2015 pour faire le point sur le troisième salon du livre et de la culture kimbanguiste. Vous avez bien entendu, le troisième salon, ça veut dire qu'il y en a eu un premier, il y en a eu un deuxième. Évidemment, nous sommes à notre troisième édition. Alors, à l'occasion de ce point de presse, nous aborderons essentiellement deux points. Un rappel rétrospectif sur ce qui a été fait lors des éditions de salon précédentes. Cette présentation nous sera faite par le commissaire des expositions, Jérôme Makiadi. Ensuite, nous mettrons l'accent sur la troisième édition, dont le thème principal est le livre d'Église, la littérature kimbanguiste. La matière que nous traitons porte sur le ministère d'enseignement et de prédication de Papa Simon Kimbangu. Il s'agit donc d'une matière religieuse. Je veux simplement dire que nous ne faisons pas de la littérature profane, de la littérature mondaine. Elle se rapporte à un message bien spécifique. Voilà, sans aller plus loin, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le révérend Bienvenu Kambonako qui nous traitera cette question. Sans tarder, je vais demander au commissaire des expositions, M. Jérôme Makiadi, de nous faire la rétrospective historique des éditions des salons précédents. Papa Jérôme. Oui. Merci, Papa Enoch. Donc, c'est-à-dire que la première édition qui s'est déroulée en 2013, nous avons fait plutôt un travail d'estimation bibliographique. Le thème principal pour cette édition a été la littérature kimbanguiste de 1921 à nos jours, donc on est en 2013. Alors, à ce moment-là, nous avons estimé à peu près à plus de 1000 publications que nous avons répertoriées ou comptabilisées. Et nos sources, nous les tenons donc, de différentes archives, par exemple des archives belges. Nous avons aussi pris en compte des archives de la bibliothèque de l'université de l'Outénélé. En 2014, nous avons plutôt travaillé sur une approche épistémologique des choses.
Donc nous avons travaillé sur la qualité que doit comporter des livres écrits par un kimbanguiste, parce que nous parlons plutôt du salon du livre et de la culture kimbanguiste. Le respect que les auteurs doivent prendre en compte pour, dans l'écriture des livres. Donc, pour cette année, nous avons, ça a été dit tout à l'heure par Papa Enoch, pour cette année, le thème principal, c'est les livres sur les kimbanguismes, parce que les livres que nous écrivons en tant que kimbanguistes, c'est des livres qui doivent être différents par rapport aux livres qu'on peut appeler profanes. Donc voilà, c'est cet aspect des choses qu'on voulait aborder cette année, et pour continuer, donc... Oui, Papa Enoch. Merci, monsieur le commissaire. Évidemment, les personnes qui nous suivent, les kimbanguistes ou non-kimbanguistes, sont en droit de se demander la matière kimbanguiste que vous traitez. Lorsqu'on parle de culture, évidemment sur le plan anthropologique, la culture, c'est une façon d'être, une façon de se comporter, une façon de penser. Et évidemment, à travers les ouvrages, tous ceux qui lisent, qui ont lu de près ou de loin les kimbanguistes, savent que être kimbanguiste, c'est vivre sa foi selon un système de valeurs ancré dans les traditions séculaires, Congo, Bantou, plus le christianisme, plus les valeurs chrétiennes. Être kimbanguiste, la culture kimbanguiste, c'est être chrétien plus autre chose. Ce que je vais introduire par là, monsieur le commissaire, c'est la notion d'innovation. L'année dernière, si je ne me trompe pas, la principale innovation que nous avons faite, c'est d'octroyer, d'attribuer un prix sur le livre qui présentait le mieux, qui avait retracé le mieux l'histoire. D'ailleurs, le titre, c'est l'histoire du kimbanguisme, c'est le livre écrit par... son éminence papa Joseph Gagenda Kutima, sur le plan strictement culturel. Qu'est-ce que les visiteurs qui vont venir nous voir peuvent s'attendre comme innovation dans cette troisième édition, monsieur le commissaire? Voilà. Justement, pour cette année, donc, l'innovation qu'on apporte, c'est qu'on a fait des efforts pour présenter quelques éditeurs et auteurs qui écrivent depuis longtemps à Kinshasa, mais que les gens connaissent très peu ici en France ou disons à l'Europe. Donc cette année, par exemple, nous avons deux livres indicatifs que nous présentons. Présentez-les, s'il vous plaît. Voilà. Donc on a par exemple ces livres-là qui ont pour titre Torche sur le pèlerinage plutôt en Cambodge. C'est un livre qui est écrit par Martin Benga, Katoumois, qui est édité par la maison ID Gisement. Donc, ils sont à Kinshasa. Donc, voilà, ça, c'est l'innovation que nous apportons cette année. C'est présenter des auteurs qui écrivent depuis longtemps, mais qui sont très peu connus ici à l'Europe. Donc, nous avons aussi un autre livre ici. Donc, voilà, la première innovation. La deuxième innovation, c'est que nous collaborons avec, ici, par exemple, c'est un livre qui est écrit, c'est une bande dessinée qui est écrite par le dessinateur Alain Cogé. Donc, notre collaboration plutôt porte sur justement mettre en place un certain nombre de livres dédiés à un public jeune. Donc voilà, les innovations cette année, c'est ça, donc présenter au public européen des éditeurs ou des auteurs du Congo, et puis aussi collaborer pour produire un contenu destiné à un public jeune. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Reverend, je me tourne vers vous. Vous n'êtes pas un nouveau venu pour le salon du livre et de la culture kimbanguiste. Nous savons aussi également que vous êtes théologien de formation. Vous êtes diplômé de la faculté de théologie de l'Utendélé. Et si ma mémoire est bonne, je pourrais même dire que vous avez passé un peu de temps dans les couloirs de l'administration de notre belle église. Tout cela est à votre honneur. Mais le sujet pour lequel je souhaiterais vous interpeller, celui pour lequel vous allez vous adresser à nos visiteurs, c'est le livre d'église. Le commissaire d'exposition l'a bien notifié, l'a bien mentionné. Nous ne faisons pas de la littérature profane. La littérature que nous faisons porte sur une matière religieuse, sur le ministère d'enseignement et de prédication
de Papa Simon Kimbang. Nous avons notre temps, Reverend. Prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Quelles précautions doit-on prendre pour publier un livre qui soit considéré comme un livre d'Église? Qu'est-ce qu'un livre d'Église? Qu'est-ce qu'un livre d'Église? Quelle est la différence entre un livre d'Église et un livre profane? Oui, merci beaucoup. Dans notre façon de voir les choses, nous avons voulu nous inscrire un peu dans la ligne évolutive des choses. C'est-à-dire, au premier salon, on a essayé de parler de la littérature kimbangiste. C'est-à-dire, nous avons estimé faire une sorte d'inventaire littéraire de tout ce qui a déjà été écrit sur le kimbangisme. Alors, deuxième salon, nous avons pensé faire un peu, si vous voulez, une approche épistémologique de la littérature kimbangiste, c'est-à-dire penser un peu, disons que réfléchir un peu sur la qualité, hein, sur la vertu un peu de cette littérature kimbangiste. C'est pour cela on a fini par nominer un livre que nous avons considéré comme un livre qui répondait un peu à tous les critères voulus, hein, sur le kimbangisme. Alors, un peu dans cette philosophie-là de l'évolution, au troisième salon, on a pensé parler du livre sur le kimbangisme. Mais peut-être une précision, c'est que nous voulons parler du livre sur le kimbangisme. Alors, le kimbangisme, en soi, d'une façon générale, le kimbangisme, tout le kimbangisme n'est pas l'Église. Dans le kimbangisme, il y a ce qu'on peut considérer comme un courant de pensée beaucoup plus général. C'est-à-dire, le kimbangisme comme une pensée philosophique. Et toujours dans le kimbangisme, il y a ce qu'on peut aussi retenir comme un courant ecclésiastique. Alors, si on a pensé intituler les livres sur le kimbangisme, c'était juste pour apporter un peu ce genre de précision, c'est-à-dire un peu réveiller l'esprit des gens sur ce que peut être le kimbangisme et ce que peut être l'Église kimbangiste. C'est-à-dire, parler du kimbangisme, n'importe qui peut parler du kimbangisme. Mais de l'Église kimbangiste, n'importe qui ne peut pas parler de l'Église kimbangiste, parce que là, il faut au moins une catégorie de gens bien déterminée pour parler du kimbangisme. C'est là où peut-être pourrait intervenir, si vous voulez, la notion, par exemple, de censure, ou peut-être, donc disons que des commissions de censure, commissions peut-être de lecture ou de relecture, je ne sais pas comment on peut appeler cela. Mais les livres, par exemple, les livres de l'Église, c'est-à-dire si nous prenons l'aspect kimbangisme comme courant ecclésiastique, là maintenant il s'agit du livre de l'Église kimbangiste. Alors, les livres sur l'Église kimbangiste, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un livre qui doit parler de la doctrine kimbangiste, c'est un livre qui doit, donc disons que de la doctrine kimbangiste comme Église, c'est un livre qui doit parler de la philosophie kimbangiste comme Église, et c'est un livre qui doit parler de la théologie kimbangiste comme Église. Alors, Reverend, pour être encore plus précis, surtout pour nos amis qui nous écoutent, je crois que la notion qu'il faudrait introduire à ce niveau, c'est peut-être la notion de source. Quelles sont les sources formelles et les sources informelles qui permettent de classifier, de donner une catégorie à un livre qui vient de paraître, s'il correspond à la théologie kimbangiste, s'il s'agit de le mettre dans un courant de philosophie portant sur le kimbangisme, c'est-à-dire un livre profane, les sources, quelles sont les sources qui sont indiquées pour permettre cette classification, cette distinction? Oui, mais justement, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Parce que généralement, on sait qu'il y a toujours des sources formelles et des sources secondaires. Alors, en ce qui concerne, par exemple, le kimbangisme,
pensée qui concerne l'équimbanisme, puisque j'ai parlé du courant des. Donc, disons que l'équimbanisme comme courant des pensées, l'équimbanisme comme église. Alors, d'une façon générale, dans les deux courants, nous pouvons considérer qu'un seul groupe de sources. Un seul groupe de sources, pourquoi? C'est puisque les premiers qui ont parlé du kimbangisme, que ce soit dans le cadre du courant de pensée, que ce soit dans le cadre du courant ecclésiastique, c'est l'église kimbangiste. C'est l'église kimbangiste qui a commencé à parler de Simon Kimbangu depuis 1921 jusqu'à ce jour. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour faire du kimbangisme, qu'on soit du côté de la philosophie, c'est-à-dire du côté du courant des pensées philosophiques, qu'on soit du côté du courant ecclésiastique. J'aime pas trop ce terme-là, religieux, parce que ça, voilà. Alors, que ce soit du côté du courant ecclésiastique, la source du kimbangisme, c'est le catéchisme kimbangiste d'abord. C'est-à-dire, il y a Bivouye Mvoutou, Tezantang, Sonoya Velela. Nous avons les principes et méthodes. Qui sont des livres les livres verts. C'est-à-dire, l'histoire du kimbangisme, livre écrit par son éminence Dengue Ndakunti. Ce sont les premières sources formelles pour faire du kimbangisme. Toute personne qui écrit sur le kimbangisme, qui ne cite pas ces sources-là, ça voudrait dire qu'il fait autre chose que le kimbangisme. Parce que ce sont les premiers écrits qu'on peut considérer comme le prédit. Oui, ce sont les premiers écrits formels du kimbangisme. Puisque il y a une chose qu'il faut s'y retenir, c'est que il existe des correspondances, par exemple, de Simon Kimbangu. Donc les Bujouyembu de l'intelligent, les Sonoya Velela, ce sont des condensés, des correspondances de Simon Kimbangu. Les principes et méthodes, disons que dans les principes et méthodes, il y a des instructions personnelles de Simon Kimbangu lui-même. Sur ce que devait être la doctrine de son église. Voilà, c'est ça. Donc outre les écrits, par exemple, de Mfinanga Nienzungu. Puisque les écrits de Mfinanga Nienzungu, donc le secrétaire de Simon Kimbangu lui-même, c'était juste des écrits qui racontaient un peu les événements journaliers, donc l'activité journalière de Simon Kimbangu, ce que Simon Kimbangu faisait au jour le jour. Mais en ce qui concerne, par exemple, l'instruction de l'Église, les rites, les symboles, les sacrements, par exemple, c'était dans la correspondance de Simon Kimbangu. Quand on utilisait, par exemple, je ne sais pas, vous rappelez peut-être le papa Diakano, oui. Papa Diakano qui servait de facteur entre Nkamba et Lubumbashi pour ramener des correspondances. Oui. Vous voyez? Donc, par exemple, pour pratiquer les premiers baptêmes. Les premiers baptêmes en 1944, c'est Simon Kimbangu lui-même qui a donné les rites. Parce que le premier baptisé de l'église Kimbangu, c'était ses papas Dialunga Nakiangani. C'est lui, donc en 1944, pour les baptiser, c'était les instructions personnelles. Il n'y a pas Simon Kimbangu que vous allez utiliser tel baptême. Ouais. Donc tout ça, les rites, par exemple, pour ordonner le catéchiste, le diacre, donc tout ça, disons que tout ça, ça relève de la correspondance directe de Simon Kimbangu lui-même, et c'est ce qu'on a essayé un peu de reprendre dans les Bivouye Mvoutou, dans les Tezantang, les Sonoya Velela, les principes et méthodes et les livres verts. Merci. C'est pour ça que nous considérons cela comme les sources formelles du kimbangisme. Merci, révérend. Voilà, je crois que nous avons tous suivi. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2015, que le jour d'ouverture. Le point d'orgue sera atteint. Le samedi, c'est-à-dire demain, 19 décembre 2015, mais venez nombreux, il y aura des conférences débats, il y aura des échanges, des lectures, nous vous attendons, des exposés sont prévus à notre programme.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci, merci. Voilà, nous avons un certain nombre d'éditeurs, d'auteurs kimbanguistes qui aident à la publication des ouvrages, des livres, des revues. Parmi ceux, je dirais même l'un des plus actifs en France, en Europe, j'ai à côté de moi le professeur Oisy Nardevaux. Professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous devons ouvrir ce jour le troisième salon du livre de la culture kimbanguiste. Vous connaissez la maison, vous connaissez votre matière. Je vais commencer par une question. Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir au salon cette année, ou pour être plus précis, au stand des éditions Eti International que vous dirigez depuis un certain nombre d'années? Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'occasion du troisième salon du livre et de la culture kimbanguiste? Merci beaucoup. Hein. La première chose que je voudrais dire, c'est d'encourager nettement ceux qui ont eu l'initiative aujourd'hui pour que nous puissions être à notre troisième salon de livres et de la culture kimbanguiste. C'est une initiative, bien entendu, qui n'est pas facile à mettre au point, mais là, on y est, hein, le 18 décembre, comme on s'était dit, pour que nous puissions tous ensemble être sur les livres kimbanguistes, qui, au fur des années, comme vous pouvez vous rendre compte, est en train de s'enrichir, non pas seulement par des revues ou de livres qui sont édités d'ici et là, mais pour la question aujourd'hui, vous avez remarqué que ce sont des livres vraiment en profondeur sur la théologie, sur le kimbanguisme, qui va être à mesure d'être présenté par tous les éditeurs qui vont être là. Bon, en ce qui concerne notre maison d'édition qui aujourd'hui englobe les travaux qui sont effectués non pas seulement au niveau de l'entraide kimbanguiste, qui est une maison d'édition disons traditionnelle, parce que nous avons commencé depuis 1992, il y a maintenant ce qu'on appelle la Gazette qui, hein, la Gazette petite revue qui est une grande revue que nous lisons, que nous recevons d'ailleurs dans notre paroisse, je la connais très bien. Merci, qui est édité et surtout du travail immense que la révérende Maman Gisèle Boukou, qui est à Rennes, qui nous fait un travail remarquable, qui est présenté dans notre stand, comme vraiment une nouveauté, avec le 9e numéro qui va être présenté demain déjà. Et en plus, à part ça, bon, nous avons de livres traditionnels, surtout les recueils de cantiques kimbanguistes, édités en 1992, qui a toujours son petit succès, et d'autres livres, entre autres celui que j'estime contenir une bonne philosophie, une bonne matière du kimbanguisme, qui s'appelle Le sens loi Kandaliabando, mais qui contient le texte en original en Kikongo, de tout ce que nous avons pu regrouper sur ce que Papa Simon Kimbangu lui-même nous a laissé à travers lui-même, aussi à travers ses disciples. Professeur, nous avons une dernière question. C'est une question qui revient régulièrement de la part de nos visiteurs ou de certaines personnes qui vous côtoient. La vocation littéraire, les gens des écrits ont des récits. Parfois des carnets de cantiques qu'ils ont hérités de leurs parents, de leurs grands-parents. Comment faire en sorte que ces carnets deviennent des livres, ceux qui ont la vocation de l'écriture? Comment nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'épistémologie, c'est-à-dire la mise en forme des écrits qu'on a parfois en vague. Est-ce qu'au niveau des éditions Eti International, et il y a ce processus d'aide, est-ce qu'on peut orienter ces gens-là vers votre maison d'édition? Voilà, merci. Bon, je vais prendre l'exemple du livre du deuxième tome du livre qui va être édité sous notre responsabilité sur l'ensemble de ce que Papa Simon Kimbangu Kyangani aujourd'hui nous donne comme discours, comme prédication
comme enseignement de tous les jours. Bon, ce livre-là, le premier tome, il avait 319 pages. Le deuxième, il va avoir 220 pages. Donc, nous avons pu regrouper d'abord dans son originalité, c'est-à-dire tout ce que Papa Simon Kimbaou dit intégralement. Et de l'autre côté, il y a un travail d'analyse, un travail de résumé qui est effectué par toute une équipe, dont Maman Gisèle Boukou, parce que ces deux ouvrages sont à son nom, qui permet aujourd'hui, à mon avis, parce que c'est quelque chose peut-être qui a manqué pour Papa Dergena, mais maintenant, Dergena Boutima, mais maintenant nous avons cette possibilité d'avoir tous les jours Mama Tétis avec Mama Lydia qui, en relation, nous met sur les Facebook ou est-ce que nous puissions avoir ces interviews. C'est maintenant, les services de la presqu'île qui sont là. Donc maintenant, nous avons deux ouvrages, au total, ça va faire 500 pages, c'est-à-dire des paroles de Papa Simon Kimbaou qui arrive depuis 2002 jusqu'à maintenant, qui va sûrement, quand nous ne serons pas là, être l'une des bases de ce que les autres chercheurs vont pouvoir puiser à l'intérieur pour pouvoir analyser la pensée philosophique du cubanisme. Et c'est dans cet état d'esprit que l'on peut dire que tout ce qui peut avoir des documents annexes, mais que nous connaissons, que nous estimons être des documents de base, nous sommes là pour pouvoir relire, orienter et coordonner l'édition de ce genre de ouvrages. Merci, merci professeur pour toutes ces précisions. Je tenais, ou nous tenons, le commissaire des expositions, M. Jérôme Akiali et moi-même, à remercier les amis de la FAQI, notamment de la Presqui, notamment notre ami Edino qui tient l'édition web panzasangoyakongo.com qui nous réalise ces images. Voilà, le rendez-vous est pris pour demain 19, la grande journée du Salon du Livre et de la Culture Kimbanguiste. Merci, merci beaucoup. Nous remercions aussi la Ratelki. La presse kimbanguiste écrite, mais aussi la Ratelki et la radio-télévision kimbanguiste. Ah. Voilà, ça se complète. Tu compléteras les deux. Tu feras un montage. C'est tout. Voilà, nous avons un certain nombre d'éditeurs, d'auteurs kimbanguistes qui aident à la publication des ouvrages, des livres, des revues. Parmi ceux, je dirais même l'un des plus actifs en France, en Europe, j'ai à côté de moi le professeur Oisy Nardevo. Professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous devons ouvrir ce jour le 3e Salon du Livre et de la Culture kimbanguiste. Vous connaissez la maison, vous connaissez votre matière. Je vais commencer par une question. Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir au salon cette année, ou pour être plus précis, au stand des éditions Equi International que vous dirigez depuis un certain nombre d'années? Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'occasion du 3e Salon du Livre et de la Culture kimbanguiste? Merci beaucoup. Hein. La première chose que je voudrais dire, c'est d'encourager nettement ceux qui ont eu l'initiative aujourd'hui pour que nous puissions être à notre 3e Salon du Livre et de la Culture kimbanguiste. C'est une initiative, bien entendu, qu'il n'est pas facile à mettre au point, mais là, on y est, hein, le 18 décembre, comme on s'était dit, pour que nous puissions tous ensemble être sur les livres kimbanguistes, qui, au fur des années, comme vous pouvez vous rendre compte, est en train de s'enrichir, non pas seulement par des revues ou de livres qui sont édités d'ici et là, mais pour la question aujourd'hui, vous avez remarqué que ce sont des livres vraiment en profondeur sur la théologie, sur le kimbanguisme qui va être à mesure d'être présenté par tous les éditeurs qui vont être là. Bon, en ce qui concerne notre maison d'édition qui aujourd'hui englobe les travaux qui sont effectués non pas seulement au niveau de l'entraide kimbanguiste, qui est une maison d'édition
disons traditionnelle, parce que nous avons commencé depuis 1992. Il y a maintenant ce qu'on appelle la Gazette qui, hein, la Gazette, petite revue qui est. Une grande revue que nous lisons, que nous recevons d'ailleurs est, dans notre paroisse. Je la connais très bien. Merci. Qui est édité et surtout de travail immense que maman, la révérende maman Gisèle Boukou, qui est à Rennes, qui nous fait un travail remarquable, qui est présenté dans notre stand, comme vraiment une nouveauté, avec le 9e numéro qui va être présenté demain déjà. Et en plus, à part ça, bon, nous avons de livres traditionnels, surtout le recueil des cantiques kémalistes, édité en 1992, qui a toujours son petit succès, et d'autres livres, entre autres celui que j'estime contenir une bonne philosophie, une bonne matière du kémalisme, qui s'appelle « Le sens loi Kandaliabandoum », qui contient le texte en original, en kikongo, de tout ce que nous avons pu regrouper sur ce que Papa Simon Kimbaou lui-même nous a laissé à travers lui-même aussi à travers ses disciples. Professeur, nous avons une dernière question. C'est une question qui revient régulièrement de la part de nos visiteurs ou de certaines personnes qui vous côtoient. La vocation littéraire, les gens des écrits ont des récits. Parfois des carnets de cantiques qu'ils ont hérités de leurs parents, de leurs grands-parents. Comment faire en sorte que ces carnets deviennent des livres, ceux qui ont la vocation de l'écriture? Comment, nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'épistémologie, c'est-à-dire la mise en forme des écrits qu'on a parfois en vrac. Est-ce qu'au niveau des éditions Equi internationales, et il y a ce processus d'aide. Est-ce qu'on peut orienter ces gens-là vers votre maison d'édition? Voilà, merci. Bon, je vais prendre l'exemple du livre du deuxième tome du livre qui va être édité sous notre responsabilité sur l'ensemble de ce que Papa Simon Kimbaou Kyangani aujourd'hui nous donne comme discours, comme prédication. Comme enseignement de tous les jours. Bon, ce livre-là, le premier tome, il avait 319 pages. Le deuxième, il va avoir 220 pages. Donc, nous avons pu regrouper d'abord dans son originalité, c'est-à-dire tout ce que Papa Simon Kimbaou dit intégralement. Et de l'autre côté, il y a un travail d'analyse, un travail de résumé qui est effectué par toute une équipe, dont maman Gisèle Boukou, parce que ces deux ouvrages sont à son nom, qui permet aujourd'hui, à mon avis, parce que c'est quelque chose peut-être qui a manqué pour Papa Dergena, mais maintenant, Dergena Botima, mais maintenant nous avons cette possibilité d'avoir tous les jours maman Tétis avec maman Lydia qui, en relation, nous met sur les Facebook, ou est-ce que nous puissions avoir ces interviews. C'est maintenant, les nous avons la presqu'île qui sont là. Donc maintenant, nous avons deux ouvrages, au total, ça va faire 500 pages, c'est-à-dire des paroles de Papa Simon Kimbaou Kyangani depuis 2002 jusqu'à maintenant, qui va sûrement, quand nous ne serons pas là, être l'une des bases de ce que les autres chercheurs vont pouvoir puiser à l'intérieur pour pouvoir analyser la pensée philosophique du kémalisme. Et c'est dans cet état d'esprit que l'on peut dire que tout ce qui peut avoir des documents annexes, mais que nous connaissons, que nous estimons être des documents de base, nous sommes là pour pouvoir relire, orienter et coordonner l'édition de ces gens des ouvrages. Merci, merci professeur pour toutes ces précisions. Je tenais, ou nous tenons, le commissaire des expositions, M. Jérôme Maquiali et moi-même, à remercier les amis de la FAQI, notamment de la Presqui, notamment notre ami Edino qui tient l'édition web panzasangoyakongo.com qui nous réalise ces images. Voilà, le rendez-vous est pris pour demain 19, la grande journée du Salon du Livre et de la Culture Kimbanguiste.
Merci, merci. Nous remercions aussi la Ratelki. Hein. Ah oui, ah. La presse kimbangiste écrite, mais aussi la Ratelki et la radio-télévision kimbangiste. Ah. Voilà, ça se complète. Tu compléteras les deux. Tu feras un montage. C'est tout. C'est tout.